Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une petite vidéo. Là je suis niveau 25, vous voyez, je suis niveau 26, du coup j'ai accès au skin du niveau 25. C'est-à-dire le parachute niveau 25, ici dans personnalisé vous avez accès à ce parachute. Donc moi j'avais en gros le parachute quand vous gagnez des games, vous avez le parachute de base. Et là vous avez le parachute niveau 25 qui a du coup un peu un style de requin. Et donc vous pouvez du coup le sélectionner et aller dans la game avec. Donc c'est le skin du niveau 25 que vous allez pouvoir débloquer dès que vous serez niveau 25. Pour faire niveau 25 c'est assez facile, il suffit juste de faire des kills. Vous allez voir que l'XP monte honnêtement relativement très très vite. Ça dépend à quel point je pense peut-être vous fraguez, vous faites les quêtes journalières. Mais du coup, donc c'est cool qu'il y ait quand même des skins gratuits. Ça permet à tout le monde de pouvoir, même quand t'as pas d'argent, de pouvoir récupérer des skins gratuitement. Le skin que j'ai là par exemple de personnage, c'est un skin que j'ai acheté, qui est quand même assez cher, hein. Je dirais de tête, j'ai peut-être 10-12 euros. Enfin, c'est quand même un prix conséquent, quoi. On va lancer pour une petite solo. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le skin dans la game, donc le skin du niveau 25 dans la game. Bon, on va voir à quoi ça va ressembler. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, je suis invisible carrément, donc là c'est mon nouveau skin, il est énorme, hein. Ce skin, je l'adore. Ok, on est parti, allez, on est chaud, on va essayer d'atteindre soit évidemment dans mes deux spawns. J'ai fait deux tutos les amis sur le jeu, j'ai fait un tuto qui vous explique deux spawns très 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 intéressants. Le premier spawn étant plus disputé que le deuxième. Alors je tiens à préciser quand même que j'ai eu pas mal de gens qui disaient ouais c'est impossible machin. Bon je vais toujours au deuxième spawn encore et au premier spawn. Et honnêtement il n'y a pas beaucoup de différence vraiment. Simplement les gens n'ont pas regardé, n'ont regardé que 4 minutes sur la vidéo sur les 10 minutes. Et du coup n'ont pas compris en fait la vidéo, donc du coup c'est un peu dommage. Mais bon, enfin sur certains qui se râlaient hein. Merci pour vos messages, vous avez été nombreux à me soutenir et ça fait vraiment trop plaisir. Mais donc j'ai vu qu'en gros il n'y avait que 30% des gens qui ont vu le deuxième spot. Du coup je comprends pas comment les gens peuvent râler alors qu'ils n'ont pas vu les deux spots, tu vois. Genre typiquement les gens parlent que de l'usine alors que je monte deux spots. Et en l'occurrence le spot que je conseille le plus c'est plus l'autre en l'occurrence, pour une raison de safeitude justement. Donc on va aller sur le spot de l'usine pour montrer un spot qui est un peu plus contesté, pardon. Il y aura probablement plus de combats et plus de morts potentiels. Let's go, on va atterrir ici. Et donc vous voyez là justement le skin un petit peu requin et tout. Sur les côtés là, les petites ailettes, les volets, les ailerons, appelez ça comme vous voulez. Je sais pas trop comment on va appeler ça sur le parachute, en tout cas, hop là. Ok, on va tomber tranquillement. On entend que le coffre en dessous n'a pas spawn, c'est dommage. Un peu unlucky ça. Celui-là a spawn quand même, normal, hop là. Regarde ce que le mec derrière moi peut avoir une arme. Apparemment il a pas pris d'arme, ou alors il l'a pas trouvé. Ok, il a récupéré des bastos. On a ici un piège. Non, c'est pas un piège, c'est un jumper. Bon, pas forcément le truc le plus intéressant au début. Hop là. Tac, donc là, il y a que dalle. Très bien. On va aller scouter l'arme qui est ici. À droite. C'est peut-être un pompe. Et c'est un pompe. Super. Hop là. La pompe qui va nous servir, évidemment. Tac. Ok, on a un coffre intéressant. Oh non! Désolé mon pote. Ok, première game de la journée. Et après, direction la Paris Games Week. Puisque je serai à la Paris Games Week sur le stand Omen, les amis. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Ça fera en tout cas extrêmement plaisir. Je vous tweeterai tout simplement mon créneau, tout simplement mes créneaux. Les moments où vous pourrez me retrouver là-bas. Avec grand plaisir. Alors voyons voir. Donc là, on est safe. Tac. On va passer tranquillement là-haut. Il y a le coffre en dessous, normal. Tac, donc ça c'est dans les deux spawns que j'ai présentés dans la vidéo, c'est le spawn le plus disputé, forcément, parce que c'est le plus connu. Hop là. Je vois un peu flou les gars, j'avoue, je vois un peu flou. Je suis un homme qui voit flou. Alors ça en train de looter en haut. La zone qui a à être lootée, là on voit que ça a été archi loot. Il y a encore un joueur, cela dit. Après on n'a pas l'arme qu'il faut là. On va pas se mentir, avec une AR verte à cette distance, c'est archi mort. A priori, il n'y a pas le coffre. Si, ok, je l'ai pas entendu. Intéressant. On va le manger. Ok, let's go. On regarde s'il va descendre ou pas. On a bien envie de le tuer, le collègue. On va en prendre la construction, c'est important. C'est important. Toujours de la construction sur soi, les gars. Ah, bah tiens, le voilà. Il a du shield. Ok, il avait du shield, le collègue. Il y a un autre mec par ici. Il y a
Alors on fait gaffe là, parce qu'il y a du monde. On a dû attirer la zone. Le voilà. D'accord, il a plus de shield. Il est mort notre ami. Ok, voyons voir. Est-ce que t'as du shield encore sur toi? Non, t'as tout consommé. Dommage. On a une AR bleue. Ça, c'est très très bien. On rappelle l'AR bleue qui fait un dégât supplémentaire par rapport à l'AR verte. Ça change tout. Puisque du coup, elle fait de 33. Elle passe de 33 dégâts à 34. Et 33 x 3, ça fait 99. Donc si le mec est full life, eh bien, vous allez le laisser à 1 HP. Et vous, du coup, vous le tuerez pas. Et donc avec ça, vous allez pouvoir avoir le létal et tuer la personne. Et donc c'est vraiment beaucoup plus fort. On peut changer les items de place pendant que vous mangez une potion. Donc c'est important. Faites-le si vous pouvez, du moins. Hop là. Prenons de la pierre. On va rendre dommage. J'ai pas eu l'avantage sur eux parce que du coup c'est eux qui m'ont first shot. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont tiré dessus et moi qui ai répondu. Du coup c'est évidemment mieux quand c'est moi qui prends les gens par surprise et eux qui machin. Après c'est vrai que vu mon style de jeu qui est quand même super ultra agressif et pas trop patient hein. On va dire, on va pas trop se cacher. C'est rarement moi qui ai le first shot. En dehors des zones. On a un drop. Et on voit. On va prendre le petit coffre tranquillement. Hop là. Oh bien ça. Lourd. Tant bien on en avait plus. On a pas eu beaucoup de chance au niveau des shields en vrai. Parce qu'on a scouté quand même beaucoup d'endroits et on a eu qu'un demi-shield. Ça n'aura pas duré longtemps. Ah, on va aller scouter là-bas du coup. Il me semble bien que c'est un. Ah je pense qu'il est looté vu la gueule de la maison. Non à moins que. Parce que des fois à distance malheureusement les coffres sont fichés lootés. Et c'est juste un problème de render distance. Il y a un shield en bas. C'est très très bien ça. Hop là. Très très bon ça. On va enlever un. On va enlever un des shotguns. Pour prendre notre petit bouclier. Et on va se diriger évidemment vers. Putain je vois rien. J'ai tellement un problème de yeux là. C'est terrible. On va se diriger évidemment vers le drop. Le drop qui était vers là-bas je crois. Vers le point qu'on a fait, mais par contre, j'avoue que je vois vraiment flou, hein, putain. J'ai des lentilles et je pense qu'elles sont pas tout à fait à la bonne place. Soit j'ai une vue de merde. J'ai un bon gros moins 6 sa mère. Ça n'aide pas. Un jour, je me ferai opérer les yeux, ça ira mieux. Ah, on est sur un joueur ici qui s'enferme. Ah, il crée une montée. Okay. Il vient d'avoir des mécaniques très correctes. Il avait des mécaniques mais il est mort. Alors. Ok, parfait. Voyons voir, checkons autour. Le pompe chasseur hein, qui fait très mal en 1 contre 1. Après quand vous êtes en infériorité numérique c'est quand même pas évident quand vous devez rusher un adversaire. Je pense que c'était le drop, puisque du coup, vous voyez qu'il a une arme légendaire. Il y a quand même des chances qu'il ait trouvé l'arme légendaire au hasard. Mais comme le drop était à peu près dans cette zone-là, je pense que c'est le drop hein, qu'il a tout simplement récupéré. En plus, il avait du shield, donc à mon avis, il a juste looté le shield. Alors, on va voir, c'est quoi ça? C'est une scar? C'est une scar, il y a une scar par terre comme ça, au calme, qui n'a pas été looté, quoi. Fatal Field. Très bien. C'est assez. Ok. Bon, pourquoi pas, hein. Là, on a un joueur qui est en train de préparer l'arrivée du. On va créer en métal, faire moins de bruit. On va attendre que ça tombe. Le métal fait moins de bruit, je trouve, que les autres matériaux, donc je vous conseille de construire en métal quand vous voulez sneak. Là, j'ai attendu qu'en gros le truc pop pour qu'en gros son attention soit attirée par le drop et moins par les actions qui les trucs qu'il y a autour simplement. Hop là. Pour avoir plus de chance de le tuer tout simplement. On va pouvoir prendre son snipe. Cool. Snipe auto, ça ira. Alors. Nous n'allons pas jouer avec cette arme. Avec lance-rocket. Même si lance-rocket. On va juste checker mes balles au cas où. Mais je pense que je vais pas le jouer. 19 balles. Oh. Non, allez. J'ai pas assez de place pour prendre tout ça. On peut pas tout avoir. Ok. Boys. On a vu un mec là-bas. Vous l'avez vu? Oh merde. Oh, il y a un enculé qui est en train de me backstab. Alors, on va faire attention.
Il m'a bien baisé mes HP, cet enculé. Ah, dommage. J'aurais aimé le tuer avant qu'il soit caché, c'est pour ça que j'ai tiré direct. Parce que là, clairement, il va bien se planquer sa mère. Alors, il y a un autre joueur derrière lui, et ça, il est pas au courant. Là, il veut essayer de me tuer, mais il y a un mec dans son cul. Ce qui est assez drôle en soi, je trouve. Alors. Alors, attends. Il y a un mec qui est mort. Alors, je ne vois pas mon adversaire. Merde, il est où? Il est parti, le collègue. Il est littéralement parti. Dommage. On aurait bien aimé le trouver, le collègue. Mais ouais, il est disparu, dommage. Avant de Esta. El Sujuvente. Je vais regarder s'il n'est pas là-dedans. Peut-être qu'il s'est caché ici. Non, non. Vérifions, non, quand même. Toujours pas. Voyons voir les balles rechargées. On a de la pierre, ça, c'est cool. Hop là. On a des mecs là-bas. Let's go. Ouvrons les yeux. Salomon, pour pas se prendre une balle de snipe. En tout cas, pour minimiser les chances de s'en prendre une. Pour le coup, là. J'avoue que je vois pas du tout où ils sont. D'accord. Donc en fait, il était caché, notre collègue. Il était planqué. C'est l'homme discret. Là, il me pique ma tête. J'ai pas envie de... J'ai un snipe auto, donc j'ai pas forcément le meilleur snipe dans ce genre de configuration. Alors... Ah, il est full shield le bâtard. Ça n'a pas envie de repique dedans. He's ok, il est hors zone. Wouh! Quelle calor, j'ai envie de dire pour lui. Hein. Quelle chaleur! Il a eu chaud. Hein. Bien sûr, il a une bonne arme. Hop là. Il est mort, il nous a pas touché, c'est ce qu'on voulait. On voulait surtout pas se faire toucher. Parce qu'on a pas envie de perdre notre shield, on en a plus. On en a plus. Fallait pas qu'on se prenne une petite balle de snipe là, ça aurait fait... On aurait été triste. Alors. Bonjour. Je recherche les gens qui se sont cachés. On va aller checker là-bas. Il y a peut-être un joueur planqué là-bas. Non. Plus personne ici. On est dans la zone. La zone est relativement restreinte. Personne derrière moi, puisqu'on a tous scouté. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un juste à côté de moi, là. On va attendre voir la réduction de map, qui va les forcer à bouger, plus ou moins. Ça, c'est dans la zone. Fatal Field dans la zone, ça dit. Donc, il y aura beaucoup de maisons dans la zone. C'est pas forcément un kiff. C'est pas forcément génial pour moi que la zone soit pas en open field. Ça va permettre aux mecs de se cacher dans les maisons et tout, ça va être un peu chiant. Ça aurait été mieux si... Ah. Les drops de fin de game. Hop là. Ah, c'est chaud quand même. Là, si je passe là-dedans, c'est quand même compliqué. Hein. Je peux tellement me faire tuer par tous les côtés. Vas-y, on va quand même le faire. Get balls, bro. On avait bien un petit mec posé là-haut, tranquillement, qui attendait la venue d'un joueur. Ce fut moi, alors. Il y a un joueur ici. Ok, il n'y en a plus. Alors. Il y a le drop là-bas. On a envie d'aller défendre le drop. Il avait pas de shield le mec que j'ai tué. Du coup probablement pas de shield sur lui j'imagine. Si un joueur a son shield, il peut avoir encore du shield sur lui puisque du coup il peut avoir envie de le garder. Enfin il peut avoir envie genre de garder du shield alors qu'il a déjà son shield. C'est tout à fait classique. Hop là.
cool, on a du shield, c'est ce qu'on veut. Hop là. Enfin, regarde derrière nous là. Une bonne petite fin de game comme on les aime. Hop là. Ok, il avait du shield. Ok, moins 1. Hop là. Il shootait par là, donc ça veut dire qu'il y a un autre mec derrière lui, je pense. À mon avis, il avait vu quelqu'un. Non, il aurait pas sorti son snipe s'il avait... pour sniper enfin, hors de la zone. Donc, il y a sûrement un joueur vers ici. C'est imprudent, là. On est plus que 3, hormis moi, donc 4. C'était sympa, là, ce qui vient de se passer. Dommage, j'ai pas vu le mec qui essayait de snipe, je l'ai pas trouvé. Ok, boys. 3 guys left. Du coup, je voulais vous montrer tout simplement le skin du niveau 25, donc j'ai juste fait une game. Mais la game est cool en vrai, hein, c'est cool. Ça on a fait du beau jeu, il y a des trucs cool. C'est pas fini. Faut qu'on essaie de l'emporter au bout. On essaie d'aller au bout. Alors, on va devoir s'avancer. Ça, c'est le moment un peu chiant. Hop là. La zone où je suis est hors zone. Hop là. Donc là, il n'y a personne hein, dans ce truc-là. C'est le mec que j'ai tué. Ok, alors en fait on va voir. Oh non, on est plus que deux. Lol. J'ai pas vu, y a un mec qui est mort. Ok, alors soit. La zone est chez lui. Peut-être. Je ne sais pas où il est. Là bon, la zone. On va faire un petit peu de ménage. Je crois que je l'ai vu là-bas, non? Ouais, je l'ai vu. Oh, GG boys, well played. And here is a top one. Bon, une game, un top 1, c'est cool. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le skin niveau 25. C'était une belle game, il y a eu du fun. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu des familles et à vous abonner. Sachez qu'il y a une Xbox et une PS4 à gagner pour Noël. Et il y a 10€ de Steam dans toutes les vidéos. Je vais tirer d'ailleurs à la prochaine vidéo les 3 premiers gagnants des 3 premières vidéos. Bref, merci à tous d'avoir suivi, c'était archi cool. C'était Sky, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à venir sur mes lives sur Twitch Skyart. En dessous, vous pouvez me follow sur Twitch, ou surtout, vous avez en dessous, il y a une extension Chrome que vous pouvez télécharger, et comme ça, vous recevez en haut à droite, quand je suis en live, vous aurez un icône coloré dans votre Chrome. Et voilà, ça me fait en tout cas très plaisir, vous êtes bienvenus, vous êtes les bienvenus. Portez-vous bien les gars, c'était Sky. Donc, checkez mes autres best-of, ça vous aidera, je pense, et je fais beaucoup de tutos aussi sur le jeu, donc si vous voulez gagner assez facilement, je pense que ça peut bien vous aider. Bisous les gars.